Bienvenue à cette petite initiation à la recherche de statistiques et de données d'enquête. Je m'appelle Caroline, je suis bibliothécaire à la BLSH. Je suis responsable des données statistiques, des publications gouvernementales et internationales. Je propose donc à chaque session, généralement en laboratoire, mais cette année en format Zoom, encore une fois, une petite initiation, des trucs pratiques dans le fond et des ressources aussi intéressantes à connaître quand on cherche des statistiques et des données d'enquête. C'est une formation qui s'adresse à tous, donc ça ratisse relativement large, autant au niveau des disciplines, des thématiques que des formats. Mon but, c'est vraiment de vous donner des trucs donc pour faciliter votre recherche de statistiques ou de données d'enquête en différents sujets. La présentation d'environ une heure, je vais essayer de ne pas trop dépasser, ça m'arrive parfois, est divisée en deux parties. La première partie, c'est des simples petites notions de base, disons, avant de se lancer tête baissée dans Google ou ailleurs pour chercher des statistiques. Donc, petite notion de base. Et deuxième partie, on va aller voir des ressources souvent utilisées en sciences sociales principalement. Je me concentre surtout sur les ressources nationales, c'est-à-dire pour aller chercher des statistiques sur le Canada et le Québec, donc principalement Statistique Canada et l'Institut de la statistique du Québec. On va quand même aller voir, selon le temps qui va rester à la fin, certaines ressources qui peuvent être intéressantes aussi au niveau international, Banque mondiale, OCDE, etc., autant pour les données agrégées que pour les micro-données. C'est le plan que je vous propose aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre par écrit ou audio. Ça me dérange vraiment pas. J'ai tendance à parler vite, donc ça me permet de respirer un peu si vous, quand je me fais interrompre. Et j'ai ma gentille collègue Cynthia qui a accepté de m'accompagner et qui va veiller sur nous au cas où il y a des problèmes techniques ou pour prendre les questions que vous écrivez dans le chat. Oui, donc, ça va me faire plaisir de relayer les questions s'il y en a. Merci, Cynthia. Donc, ne vous gênez pas s'il y a quoi que ce soit. Alors, allons-y pour la première partie intitulée Littératie et statistique. Première petite notion de base, quand on cherche des statistiques, quand on cherche des données secondaires, donc contrairement à des données primaires qui seraient des données que l'on collecte et qu'on diffuse soi-même, là, c'est des données qu'on veut aller chercher, qui existent déjà. Donc, c'est quoi les principales sources d'informations à consulter? Bien, dans le fond, on divise les sources disponibles en deux grandes catégories, deux grandes familles. Ça peut être soit des données d'enquête, de sondage, de recensement, ce qui est assez courant, ou ça peut être ce qu'on appelle des données administratives, qui est un concept un peu plus vaste, un peu plus flou. Dans le fond, des données administratives, c'est n'importe quelle information quantitative qui est compilée par une institution quelconque dans le cadre de son fonctionnement. Donc, c'est assez large comme définition. Ça peut être, c'est surtout souvent ce qu'on va utiliser, c'est des données administratives gouvernementales. Ça peut être, par exemple, des données de la RAMQ. Donc, à chaque fois que vous utilisez votre carte d'assurance maladie, c'est des données qui sont compilées quelque part et qui peuvent être utilisées ou diffusées à des fins de recherche, à des fins descriptives. Ça peut être des données de rapport d'impôt, par exemple, qui sont compilés quelque part dans une base de données. Ça peut être aussi, dans le fond, ça peut être issu de différentes institutions, donc des agences gouvernementales, des ministères, des agences statistiques comme StatCan, ISQ. Ça peut être des organismes internationaux, intergouvernementaux, des ONG. Il y en a toute une panoplie, donc l'OMC pour le commerce, l'OMS pour la santé, l'ONU pour un peu tout, etc. Les recherches académiques, c'est sûr que traditionnellement, faire connaître ces données en milieu académique, c'est fait par le biais de publication, mais de plus en plus, on incite et même à certaines occasions, on va obliger les chercheurs à rendre disponibles les données qui sont à la base de leur publication, disponibles pour le public. C'est déjà le cas dans certains périodiques, donc les chercheurs qui veulent publier un article dans certains périodiques sont obligés de rendre les données qu'ils ont utilisées disponible. Donc, de plus en plus, on a accès à des dépôts de données de recherche, où je vous en parlerai à la fin de la formation. On a un dépôt de données institutionnel à l'Université de Montréal qui s'appelle Dataverse, d'ailleurs. Et après, ça peut être des organismes privés commerciaux. Donc là, c'est très, très varié. Ça peut être des associations professionnelles, des firmes de sondage, des instituts de recherche, des données d'entreprise, évidemment, des banques, etc.
Maintenant, est-ce que vous avez accès ou pas à tout ça? C'est au cas par cas, c'est toujours le nerf de la guerre. Ce n'est pas parce que quelque chose existe que vous pouvez y accéder. Et donc, c'est en fait tout ce qui est question d'organismes privés, commerciaux, on est pas mal dépendant de ce que les organismes décident de diffuser. Donc, c'est toujours un combat quand on cherche à accéder à des données très précises. De plus en plus, ce qu'on voit aussi, je vous ai mis un petit exemple ici, c'est des couplages de données d'enquête et de données administratives. À l'Institut de la statistique du Québec ou Statistique Canada, de plus en plus, ce qu'on va faire, en fait, c'est que les gouvernements veulent exploiter la richesse des données administratives qu'ils ont. Par exemple, on va coupler les données dans ce cas-ci, de la base de données longitudinale sur les immigrants. Dans le fond, c'est une base de données où on va coupler les données des dossiers d'immigration avec les dossiers de rapport d'impôt, ce qui va permettre aux chercheurs de faire des études sur l'insertion économique des immigrants, par exemple, où on va combiner les données de la RAMQ avec les données du recensement pour permettre d'étudier le rapport entre le revenu, entre le statut socio-économique et la santé des citoyens. Évidemment, ce ne sont pas des données publiques, c'est des données pour ce qu'on appelle des données protégées pour lesquelles il faut faire une demande d'accès. Et de plus en plus, dans le fond, l'avenir est beaucoup à l'exploitation des données administratives parce que les données d'enquête, les recensements, pour les institutions, évidemment, c'est excessivement dispendieux et long et lourd. Et donc, on essaie de plus en plus de développer des technologies qui permettent d'exploiter les données administratives des différentes institutions. Donc, voilà pour les deux principales catégories de sources. Pour les formats, je vous le mets par principe parce qu'on va se concentrer évidemment sur les formats numériques. Mais il faut toujours mentionner qu'il reste des données en format papier qu'on va trouver parfois dans le catalogue SOFIA. Dans le fond, c'est surtout les données qu'on trouve en format papier, c'est surtout intéressant quand on cherche à faire des séries chronologiques, donc quand on veut reculer dans le temps, aller chercher des données qui recule aux années 50, 60, 70. Parfois, il y a comme des trous, on peut trouver des données historiques qui ont été numérisées, mais à partir, il y a certaines années où il va y avoir des trous puis il va falloir avoir recours au papier. Donc, il y a beaucoup, par exemple, toute la collection papier des recensements se trouve au troisième étage ici à la BLSH. Donc, il est parfois nécessaire d'avoir recours au papier. Donc, ultimement, en résumé, pourquoi avoir recours à des données d'enquête ou à des données administratives? Dans le fond, ça dépend des informations dont vous avez besoin. Les deux types de sources vont vous donner des informations différentes. Le recensement va vous donner certaines informations, par exemple, si vous vous intéressez à l'immigration, alors que les données administratives qui sont diffusées par le ministère des Migrations vont vous donner d'autres types d'informations. Donc, souvent, pour avoir l'ensemble du portrait, il faut aller voir toutes les sources qui sont disponibles dans le fond. Donc, voilà pour la première petite notion de base. La deuxième, c'est la distinction entre les micro-données et les statistiques ou données agrégées. Dans le fond, dans le cadre de recherche en sciences sociales ou autres, on va avoir recours aux micro-données quand on cherche à faire de l'analyse quantitative. Donc, ce sont les données brutes qui sont compilées dans le cadre d'une enquête, d'un sondage, d'un recensement. Et c'est vraiment brut, donc ça nécessite un logiciel d'analyse quantitative dont vous avez sûrement déjà entendu parler, donc soit SAS, SPSS, Data, AR, les quatre les plus utilisés généralement en sciences sociales. On va appeler ça des FMGD, c'est des fichiers de micro-données à grande diffusion du côté de Statistique Canada, du moins, c'est-à-dire que c'est des fichiers, évidemment, puisqu'ils sont diffusés publiquement, qui ont été anonymisés. Donc, les informations sont moins détaillées, les données ont été agrégées, on n'a pas accès à toutes les variables de l'enquête. Les chercheurs, les étudiants aussi à la maîtrise, au doctorat, vont pouvoir aussi demander accès à ce qu'on appelle des fichiers maîtres, c'est-à-dire vraiment les données détaillés qui ont été compilés dans le cadre d'une enquête. Mais il faut donc déposer une demande d'accès, entre autres, au CIQSS, qui est le Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales. Ça ne se fait pas dans le cadre d'un bac, là. C'est vraiment pour des chercheurs ou pour des étudiants, doctorat, etc. Ou, évidemment, on va pouvoir aussi avoir recours et utiliser des statistiques ou des données, ce qu'on appelle des données agrégées. Dans le fond, c'est des données qui ont été tirées de données brutes, mais qui ont déjà subi un traitement statistique, puis qui vous sont présentées en fonction des choix qui ont été faits par l'institution qui diffuse les informations. Donc, ils vont être diffusés soit en format Excel, CSV ou
HTML, PDF, donc des tableaux de données que vous allez trouver déjà préparés en ligne ou en format papier. Vous pouvez aussi utiliser des fichiers de micro-données pour créer vos propres données agrégées, même si vous n'avez pas d'analyse quantitative à faire. C'est intéressant quand vous ne trouvez pas vraiment les informations dont vous avez besoin dans les statistiques qui sont déjà diffusées par les institutions. Donc, deuxième petite différence importante. Voici un exemple de fichier de micro-données. Vous êtes peut-être déjà familier avec ceci, peut-être pas. Donc, ça, le concept, dans le fond, c'est que c'est indéchiffrable en soi. En fait, c'est pour ça qu'il faut un logiciel. Le concept, c'est que chaque ligne d'information ici correspond à la valeur d'une variable, c'est-à-dire à une catégorie de réponse. Comme vous voyez ici, le 2, ça pourrait être, par exemple, la question, c'est quoi le sexe du répondant dans cette enquête-là? Donc, la réponse, c'est 2. 2, ça pourrait être une femme. Donc, ce cas-là, dans le fond, c'est une femme, et etc. pour chacune des réponses à chacune des questions de l'enquête. Évidemment, c'est pour ça qu'il faut un logiciel pour ouvrir ces fichiers de données brutes-là. Et une fois qu'on ouvre avec un fichier de syntaxe, bien là, avec SPSS, Tata ou R, on peut faire l'analyse quantitative, on peut faire des tableaux, des graphiques, etc. Alors que des statistiques, bien, ça ressemble à ceci. Donc, c'est des présentations de données quantitatives avec lesquelles on est plus familier. Je vous ai mis un petit lien ici vers ce qu'on appelle le logiciel Beyond 2020, qui est ici. Dans le fond, ça ressemble un peu à Excel, mais je vous le souligne parce que c'est un logiciel qui est souvent utilisé par Statistique Canada pour diffuser les données. Et c'est utile pour présenter des données, mais surtout parce qu'il y a certains fichiers Excel, quand on télécharge des données du site de Statistique Canada, qui sont trop gros pour ouvrir dans Excel. Il y a juste trop de colonnes. Et donc, ce logiciel-là vient régler ce problème de quantité d'informations limitée dans Excel. C'est un logiciel gratuit. Vous pouvez l'installer sur votre poste. À moins que vous soyez sur Mac, c'est un logiciel qui ne fonctionne pas sur Mac. Petit détail. Donc, voilà pour les micro-données et les statistiques. C'est sûr que des graphiques en barre, c'est une façon assez traditionnelle de présenter des statistiques. Maintenant, en ligne, vous allez voir tout plein d'applications qui permettent de soit faire de la cartographie, de la visualisation sur tous les sites de journaux. Vous allez voir beaucoup de cartographie, d'informations, de données quantitatives. Vous l'avez sûrement vu avec la COVID, où vous pouvez visualiser toutes les données pratiquement en temps réel. On le voit souvent, c'est souvent utilisé pour les résultats électoraux. Donc, à chaque lendemain d'élection, vous pouvez aller voir sur des cartes pour voir pour qui a voté vos voisins ou aussi avec les données de recensement. C'est souvent, la cartographie est souvent très, très utile. Les Américains sont très forts, le New York Times, pour la visualisation des données, la gentrification, par exemple, ou pour visualiser sur des cartes la ségrégation raciale. C'est super intéressant. La presse l'avait fait pour les données de recensement. Je vois que mes liens ne marchent pas sur mon document de présentation. Attendez un instant. Je vais essayer d'aller en plein écran. OK. Il l'avait fait avec le recensement de, je pense que c'était le recensement de 2011. Puis c'était assez bien fait. En fait, c'est très parlant parce que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont cartographié des variables de base qu'on trouve dans le recensement. Vraiment vraiment le B.A.B.A. du recensement, l'âge, le statut d'immigration, l'état matrimonial, le revenu, locataire, propriétaire, densité de la population, mais ils l'ont fait par station de métro. Donc, pour visualiser l'information quantitative du recensement, donc, vous pouvez aller voir à chacune des stations de métro de Montréal, mais là, ça date de 2011, là, ça fait quand même 10 ans. Puis, vous pouvez voir, par exemple, le pourcentage d'immigrants, c'est le secteur de recensement autour des stations de métro. Vous pouvez aller voir où se trouvent les célibataires à Montréal. Comme vous voyez, allez pas au métro de la Savane, il n'y en a pas beaucoup. Il faut aller au centre-ville, c'est là que se trouvent les célibataires. Voir les coûts de logement, où est-ce qu'ils sont les plus chers, les logements les plus chers et les moins chers. Édouard, mon petit, donc on n'est pas très surpris. Donc, c'est des façons très intéressantes et stimulantes de voir des données quantitatives. Mais dans le fond, derrière cette application-là,
c'est une vulgaire feuille Excel avec des pourcentages qui serait très ennuyante à regarder en tant que telle. Mais une fois que c'est visualisé en ligne comme ça, c'est très parlant, si on veut. Donc, il y a toutes sortes de logiciels qui peuvent vous permettre de faire de la cartographie, de la visualisation. Il y a ArcGIS qui est le plus connu, QGIS qui est un logiciel gratuit, super intéressant à utiliser. Il y a AR, évidemment, Tableau aussi pour faire toutes sortes de visualisations. Ça, j'avais fait ce petit truc-là avec ArcGIS. Donc, on peut aller sur le site de Statistique Canada, chercher un fichier de données, le coupler avec ce qu'on appelle un fichier des limites. Donc, il va limiter les unités géographiques. Et avec ArcGIS, on peut visualiser de l'information sur la population de façon assez, ben, c'est pas si facile que ça à utiliser pour les données géospatiales, mais c'est quand même intéressant à utiliser. Puis évidemment, il y a des pros qui font des trucs super sophistiqués. Ça, c'est des profs de l'Université Laval avec un collègue des bibliothèques de l'Université Laval qui ont fait une interface pour voir la distribution géographique et temporelle de la COVID-19 au Québec qu'ils ont fait avec ArcGIS, qui est super, super bien fait. Donc, beaucoup d'outils intéressants à utiliser. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour de la population à la publication? Donc, dans le fond, comment ce que les institutions font pour quantifier la population? Ben, on a une population auprès de laquelle on veut faire une enquête. Dans le fond, si vous avez la population au grand complet, c'est un recensement. Si vous avez un échantillon de la population, c'est une enquête. C'est la différence fondamentale entre les deux. Quand vous allez chercher des enquêtes, peu importe le sujet qui vous intéresse, il y a toujours un jargon qui est utilisé pour venir décrire le contenu de l'enquête, la méthodologie qui a été utilisée. Vous avez des informations sur le pays, évidemment, sur la géographie, l'unité géographique, l'unité d'analyse, sur qui porte l'enquête. Ça peut être l'individu, ça peut être le ménage, ça peut être des entreprises, etc. L'univers, c'est les caractéristiques de la population. Comme dans ce cas-ci, l'enquête auprès des peuples autochtones, c'est une enquête qu'on appelle post-censitaire, qui est faite par Statistique Canada, dans la mesure où c'est une enquête qui fait suite au recensement, et c'est à partir des données du recensement qu'on va aller chercher l'échantillon qui va être utilisé dans le cadre de l'enquête auprès des peuples autochtones. Donc, c'est comme des données de recensement. Méthode temporelle, c'est une enquête transversale. Donc, pour faire la différence entre une enquête transversale, qui est un portrait de la population à un moment X, d'une enquête longitudinale, c'est-à-dire une enquête qui permet de suivre un groupe ou une population dans le temps, à différents moments dans le temps. Une enquête longitudinale, vous n'aurez jamais accès à ça publiquement. Vous allez pouvoir avoir des statistiques descriptives, peut-être, mais jamais les données brutes d'enquête longitudinale, c'est toujours des données protégées pour protéger la confidentialité des répondants. Donc, on va faire une enquête auprès de notre population, on va compiler les données. Par la suite, ce que Statistique Canada va faire, ils vont diffuser, entre autres, des données agrégées, des tableaux statistiques sur leur site web. Ils vont aussi diffuser des publications que vous allez trouver sur leur site. Les économistes, les démographes, les analystes de StatCan publient tout plein de documents que vous pouvez citer dans vos travaux au même titre que n'importe quelle publication scientifique. Et ultimement, ça va souvent se retrouver dans les médias, dans les journaux. Il faut toujours faire attention de ce qu'on dit sur les chiffres dans les médias. Il faut toujours, puis c'est souvent frustrant parce que particulièrement dans les articles de journaux, on va souvent dire, selon les données de Statistique Canada, X% de la population, mais on ne va pas faire de lien vers l'enquête originale, on ne va pas vous donner la source, on vous dit juste selon, mais là, vous devez vous débrouiller pour trouver la source originale, puis franchement, ce n'est pas toujours facile. Mais il faut toujours, sauf cas d'exception, là, il faut toujours essayer d'aller valider, évidemment. Là. Si vous cherchez des données sur la population, n'allez pas citer un article de journal qui vous rapporte des données de Statistique Canada. T'sais, essayez, autant que faire se peut, d'aller retracer l'information dans la source originale. Parce que
Parce que dans le fond, le problème, ce n'est pas nécessairement que ce n'est pas les bons chiffres. Le problème, c'est souvent une question d'interprétation qui est faite des chiffres. Parce que quand on parle de statistiques, on pense toujours que c'est, okay, c'est des pourcentages, c'est des taux, c'est des indices, des indicateurs. Mais dans le fond, des statistiques, c'est avant tout des définitions. Donc, vous parlez de quelqu'un, de quelque chose. Et quand vous téléchargez des données d'enquête, il y a toujours une documentation qui vient avec l'enquête. On va appeler ça un dictionnaire, un codebook, un guide de l'utilisateur. Ça dépend des enquêtes, ça dépend des institutions. Il faut toujours consulter cette documentation-là parce que c'est là que vous allez trouver l'information sur la méthodologie qui a été utilisée. C'est là que vous allez trouver la description des concepts, des variables, des valeurs de variables. Et c'est vraiment important pour ne pas dire, faire dire des choses aux chiffres qu'ils ne veulent pas vraiment dire. Et c'est facile de faire dire n'importe quoi aux chiffres, comme on le sait. Comme vous voyez, les principales unités d'analyse, là, les unités d'observation ou les unités statistiques dans les enquêtes auprès de la population, c'est soit la personne, l'individu, c'est soit le ménage, c'est soit la famille économique ou la famille de recensement. C'est quatre choses différentes. Donc, quand vous voyez des pourcentages, il faut faire attention. Quand on parle du ménage, ça veut dire c'est quoi un ménage? C'est quoi une famille économique? Moi, je m'intéresse à la conciliation travail-famille. Il me faut-tu des données sur les ménages, sur les familles économiques, les familles de recensement? Ben, dans le fond, c'est peut-être que tous ces chiffres-là sont intéressants pour vous, mais il faut savoir à quel concept vous faites référence quand vous rapportez des chiffres dans vos travaux. Donc, c'est super intéressant, c'est super important. D'aller voir la documentation. Aussi parce que ça change dans le temps. Les variables vont changer dans le temps. Il y a des variables qui apparaissent, qui disparaissent. La définition va changer. La méthodologie va changer. Donc, surtout quand vous cherchez à faire tracer le portrait de l'évolution, de faire des séries chronologiques, c'est super important de voir s'il n'y a pas eu un changement dans le temps, dans la définition. J'aime toujours présenter des petits tableaux qui viennent du passé. Ici, c'est un tableau qui vient de la documentation du recensement de 1919 où vous voyez un tableau qui porte sur les defectives au Canada, ce qui veut dire les handicapés, dans le fond. Et là, vous voyez les catégories qui sont utilisées. C'est blind, deaf and dumb, insane et idiotic. Puis, dans le fond, il y a déjà eu un changement dans le temps. Vous voyez, en 1881, en fait, la réponse, c'était « unsound mind ». Qu'en 1901, on a choisi de diviser par souci de précision, visiblement, en « insane » et « idiotic ». Comme vous pouvez vous imaginer, cette variable-là n'existe plus. Tout comme les statisticiens de StatCan en 1911 ne pouvaient pas s'imaginer qu'un jour, dans 100 ans plus tard, il allait avoir une troisième réponse possible à la catégorie sexe, tout comme il ne aurait pas pu penser qu'il allait avoir une variable qui s'appellerait transgenre. Donc, tout ça pour dire que la catégorisation du monde, c'est un exercice qui n'est pas anodin. On peut carrément faire apparaître et disparaître du monde simplement en les nommant en fonction de leur appartenance à des groupes qui changent dans le temps, dans l'espace. Un autre exemple évident, là, c'est qu'en 2016, dans le recensement de 2016, il me semble, plus de la moitié des Juifs au Canada ont disparu. Sur papier, évidemment, ou sur fichier plutôt, parce que, en fait, dans le recensement 2016, la question sur l'origine ethnique a été, on n'a pas modifié la question, mais on a modifié les choix de réponses possibles. On propose, je ne sais pas si vous avez rempli le dernier recensement, vous ne l'avez peut-être pas remarqué, mais par exemple, l'origine ethnique, on va toujours proposer des catégories de réponses, entre autres, pour donner des exemples aux répondants. Et avant, il y avait la catégorie juive comme exemple de réponse possible. Et dans le recensement 2011, on ne l'avait pas mis. Ce qui a fait en sorte que le nombre de personnes qui ont répondu juif à origine ethnique a diminué du 2/3. Donc, le simple fait de changer un mot dans une question peut changer complètement le portrait démographique d'une population. C'est pour ça que ce n'est pas anodin. C'est un domaine de recherche super intéressant. Et donc, c'est pour ça que c'est important d'y porter attention.
Il faut porter attention à la géographie aussi, changement dans l'espace. Donc, ça, c'est Montréal. Ça, c'est Montréal. Et ça, c'est Montréal. Ça, c'est la région métropolitaine de recensement de Montréal. Ça, c'est la division de recensement de Montréal. Et ça, c'est la ville de Montréal. Donc, quand vous entendez des chiffres sur Montréal, ben, il faut savoir de quoi on parle, parce que ça ici, ce n'est pas exactement comparable à ça. Les régions géographiques peuvent changer dans le temps aussi quand vous vous intéressez à des petites municipalités. Des fois, il va y avoir des gros changements démographiques, mais souvent, ce n'est pas parce qu'il y a eu un boom de natalité, c'est juste parce qu'il y a eu une fusion municipale quelque part. Donc, encore là, il faut faire attention. Et il faut savoir que plus vous vous intéressez à une région petite, un quartier ou même une ville, plus c'est difficile d'avoir d'informations détaillées. Question de protection de la confidentialité encore là. Bref, pour terminer ma première partie, il faut toujours... Les statistiques, ça reste toujours une construction sociale, donc il faut toujours s'intéresser à la construction. Les étudiants, souvent, quand ils viennent me voir, sont juste désespérés de trouver des chiffres et souvent portent peu attention à la provenance, à la méthodologie qu'il y a derrière, mais il faut s'en soucier. On ne peut pas en faire abstraction. Alors, voilà pour ma première partie. Et maintenant, on va aller voir des ressources pour chercher. Est-ce que vous avez des questions à ce stade-ci? Non? Pas de questions dans le clavardage, en tout cas. Ça marche. Merci, Cynthia. Vous pourrez revenir à la fin si nécessaire. Donc, on va aller voir les principales ressources qu'on utilise. Je vous propose un petit truc de recherche Google avant tout. C'est les opérateurs et les filtres avancés de recherche Google qui sont bons, dans le fond, à connaître. Peu importe le type de recherche que vous faites, mais pour chercher des données, de l'information quantitative, c'est particulièrement intéressant parce que vous pouvez préciser justement que vous cherchez. C'est sûr que vous pouvez chercher Cannabis Statistique Canada. Vous allez avoir des réponses, ne vous inquiétez pas, mais vous allez peut-être vous noyer dans ce que vous allez trouver également. Donc, c'est intéressant d'utiliser les parenthèses, les opérateurs que vous pouvez utiliser dans les bases de données de recherche documentaire que vous connaissez peut-être. Donc, pour spécifier, par exemple, selon la langue que vous cherchez aussi, stats, statistics, data, dataset, microdata, selon ce que vous cherchez. Vous pouvez même spécifier le type de fichier que vous cherchez. Est-ce que vous cherchez un fichier CSV, un fichier Excel, un fichier SPSS? Vous pouvez être très précis. Il ne faut jamais trop l'être, par contre, parce que vous pouvez vous couper de l'information. Vous pouvez aussi spécifier ce que vous cherchez sur des sites gouvernementaux, parce que souvent, quand on cherche de l'information avec les petites boîtes de recherche sur les sites gouvernementaux, des fois, là, les résultats ne sont pas tout à fait très efficaces. Donc, des fois, c'est plus facile de chercher sur des sites gouvernementaux en utilisant Google qu'en allant sur le site d'un ministère. Chercher sur un site très précis ou mettre des « sauf » aussi pour exclure des sites de la recherche. Donc, des petits trucs de recherche avancée. Il y a aussi ce qu'on appelle le Google Dataset Search, que j'utilise pas très souvent, mais vous pouvez le tester si ça vous intéresse. Dans le fond, c'est comme une espèce d'équivalent de Google Scholar, mais pour chercher du quantitatif. Donc, l'indexation des ressources qui est derrière la boîte de recherche est limitée au site qui diffuse l'information quantitative. Ça peut être intéressant si vous voulez limiter les résultats. Moi, j'ai tendance à plutôt chercher dans Google au complet et utiliser des opérateurs avancés. Mais vous pourrez tester pour voir si ça peut vous être utile. Maintenant, Statistique Canada, il y a différentes options. On parle souvent d'un continuum d'accès, en fait. Il y a de ce qui se trouve sur le site public qui regroupe pas mal toutes les informations qui sont disponibles publiquement, parce qu'il y a le public et le protégé. Donc, il y a ce qu'on trouve sur le site web. Sur le site web, on va trouver des publications, on va trouver de la documentation, des articles d'analyse. On va trouver les données agrégées. On trouve de plus en plus des fichiers de données brutes aussi, mais je ne vous conseille pas d'aller chercher des fichiers de microdonnées sur le site de StatCan. Je vous conseille plutôt d'utiliser la base de données Nestor ou Odesi que je vais vous montrer dans un instant. Il y a la collection de l'initiative de démocratisation des données qui est dans le fond la collection des fichiers de microdonnées, donc des informations un peu plus
précise. Tabulation personnalisée, bien ça, c'est surtout si vous êtes un chercheur, si vous êtes prof, parce que c'est quand on dit personnalisé, ça veut dire payant. Donc, parfois, quand l'information n'est pas disponible sur le site public de StatCan, les chercheurs ou les doctorants ou peu importe, ou n'importe qui est prêt à payer, peut faire une commande de données directement à Statistique Canada. Donc, c'est ce qu'on appelle des tabulations personnalisées. La DTR, c'est un système particulier qui est payant aussi pour aller chercher à distance des données descriptives à partir des fichiers de données protégées. Et le CIQSS, c'est l'accès aux données restreintes. Donc, c'est vraiment si vous êtes à la maîtrise ou au doctorat, si vous êtes chercheur, vous pouvez demander accès par le biais d'un formulaire aux données protégées de l'Institut de la Statistique du Québec et de Statistique Canada au CIQSS. Donc, c'est vraiment protégé. C'est très restreint, c'est-à-dire qu'il faut aller travailler dans les laboratoires sécurisés du CIQSS pour faire les analyses. Donc, c'est là-bas qu'il faut aller travailler. C'est très protégé. Et le CIQSS fait partie d'un réseau canadien de centres de données de recherche. Sur ce site-là, on va trouver, dans le fond, l'ensemble des informations. Si vous voulez voir, vous êtes à la maîtrise ou au doctorat, vous voulez savoir à quelles données vous pouvez avoir accès si vous allez au CIQSS, vous avez la liste de toutes les données d'enquête et de toutes les données administratives qui sont disponibles au CIQSS. Donc, par exemple, les statistiques de l'état civil, naissance, mortalité, qui sont très utilisées en démographie, entre autres, et toutes les données d'enquête également. Vous avez aussi un onglet publication où vous pouvez aller chercher toutes les publications qui ont été faites à partir des données protégées des centres de données de recherche. Donc, c'est intéressant si, par exemple, vous devez préparer votre maîtrise, votre doctorat, et vous dites, bon, moi, je veux faire d'analyse quantitative, mais je ne sais pas quelles données d'enquête utiliser. Je m'intéresse à la santé des immigrants. Est-ce que je devrais utiliser telle ou telle enquête? Bien, ici, vous pouvez chercher comme dans n'importe quelle base de données. Dans le fond, je vais faire une recherche un peu bête. Il faudrait l'approfondir un peu. Si je mets simplement « immigrant santé », vous allez voir toutes les, si j'avais mis des mots-clés, j'en aurais peut-être eu plus, j'en ai 52. Puis là, vous pouvez voir toutes les publications, les articles, les thèses, les mémoires qui ont été faites à partir des données protégées dans les centres de données de recherche. Donc, si vous voyez ici, par exemple, « Health Disparities for Immigrants, Theory and Evidence from Canada », puis là, vous pouvez non seulement accéder à la publication, mais vous pouvez aussi aller voir, OK, ce chercheur-là, il a utilisé l'enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes. Vous pourriez par la suite aller chercher le fichier de microdonnées publiques pour aller faire de l'analyse ou vous pourriez demander accès aux données protégées également. Donc, c'est un outil intéressant pour ceux qui sont rendus à une étape un peu plus avancée de recherche, si on veut. Sur le site de Statistique Canada, vous allez trouver, vous allez trouver trop d'informations, c'est un peu labyrinthique. Je vous ai mis les principaux points d'accès. Je ne cliquerai pas sur tous les liens, mais pour résumer les principaux points d'accès pour aller au recensement 2016, on peut reculer sur le site web de Statistique Canada jusqu'en 1996. Avant, ça existe, mais il faut aller ailleurs pour le trouver. Sur le site de Statistique Canada, on pourrait y passer la journée, je vais vous l'épargner. Vous allez trouver donc de l'information utilisée sur tous les onglets qui se trouvent ici. Vous allez trouver de l'information par sujet. Donc, si vous partez vraiment de zéro, vous ne connaissez pas exactement quel genre de produit diffuse Statistique Canada, vous pouvez passer par les sujets. C'est quand même bien indexé. Vous allez trouver de l'information intéressante en passant par les différents sujets. Si vous savez que vous cherchez des tableaux de données, vous pouvez aller directement dans l'onglet « Données ». Il y a près de 10 000 tableaux. Ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver quand on ne connaît pas exactement comment fonctionnent les données agrégées sur le site de Statistique Canada. Vous pouvez passer par les filtres qui sont ici, donc y aller par sujet, y aller par géographie, ou vous pouvez taper carrément des mots-clés en fonction des sujets qui vous intéressent. Par exemple, si vous dites... disons, moi, je fais une recherche
pour un organisme communautaire qui s'intéresse aux personnes âgées après la COVID. On a vu toutes les personnes âgées dans les CHSLD, mais dans le fond, moi, je m'intéresse, je veux savoir, dans les villes au Québec, il y a combien de personnes âgées qui habitent seules à la maison? Qui sont dans leur propre logement, mais qui sont seuls. Puis on veut savoir l'insécurité en termes de logement, est-ce qu'ils sont propriétaires ou locataires? Donc là, vous avez tout. C'est quand même. Ça a l'air simple comme question, mais c'est beaucoup de variables dans le fond, là. Ce que vous pourriez faire, c'est y aller par sujet, dire adulte, âgé et vieillissement. Bien, ça a l'air intéressant comme sujet. Puis déjà, en dessous, vous avez logement et caractéristiques familiales. On pourrait prendre une chance puis aller voir. Là, vous avez toutes sortes de tableaux qui vous sont proposés. Il faut aller voir les années, évidemment, parce que vous allez trouver des tableaux des années 90 aussi. Puis vous allez voir que c'est parfois un peu intense. Essayer de comprendre le titre d'un tableau, comme ici, c'est beaucoup d'informations. Si on clique sur le titre du tableau, dans le fond, le titre, c'est comme la liste des variables qui se trouvent dans le tableau. Puis quand vous voyez le petit chiffre qui est ici, c'est le nombre de valeurs de chaque variable. Ça veut dire, les caractéristiques familiales, il y a 8 choix de réponses possibles. Âge des personnes âgées, ça veut dire qu'il y a 7 catégories de réponses. Vous allez peut-être trouver d'autres tableaux avec des variables d'âge qui ont juste 4 catégories ou qui en ont 12 peut-être. Donc, il faut porter attention à ça aussi. Donc là, vous voyez un tableau donné agrégé, ça ressemble à ceci. Puis vous pouvez jouer avec les variables. Vous voyez ici, âge de la personne âgée, je pourrais dire, moi, je m'intéresse vraiment au vieil âge, 85 ans et plus. Statut de copropriété, bon, ça ne m'intéresse pas. Le nombre de chambres à coucher non plus. Le mode d'occupation, vous voyez, on s'intéressait à voir s'ils sont propriétaires ou locataires. On a l'information qui se trouve ici. Index géographique, ça, c'est un petit problème, par contre, parce que moi, je veux savoir dans les villes, je veux savoir à Montréal. Le problème ici, c'est que le plus petit niveau géographique de mon tableau, c'est la région métropolitaine de recensement. Vous vous souvenez, il y a un instant, je vous ai montré Montréal, Montréal, Montréal. Bien ça, la région métropolitaine, c'est la RMR. Mais ça va jusqu'à Saint-Jean, Saint-Jérôme. On n'a pas l'information pour la ville. Fait que dans le fond, c'est ça qui est frustrant souvent, c'est que vous voyez qu'il y a l'information qu'il nous faut. Personne âgée vivant seule, c'est exactement ça qu'il me faut. Propriétaire ou locataire, mais c'est pour la RMR, c'est pas pour les villes. Donc, il faudra aller voir s'il n'y aurait pas un autre tableau qui aurait les mêmes informations ou similaires, mais pour un niveau géographique plus petit. C'est pour ça que c'est toujours des recherches un peu frustrantes là, quand on cherche des niveaux géographiques très précis. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est taper des mots-clés ici. Par exemple, on pourrait mettre logement, âge, puis limiter d'emblée par géographie. Dire, ben moi, je veux de l'information pour les villes. Fait que, vous voyez, les villes, là, il y a seulement 136 tableaux avec de l'information qui va jusqu'à un niveau de détail des villes. Donc, on passe de, il y avait 9000 tableaux à 134. Fait que la géographie, c'est dès qu'on cherche des populations petites, on a l'embarras du choix, disons, devient beaucoup plus limité. Donc, voilà très rapidement comment on peut chercher des tableaux sur l'onglet Données. Analyse, c'est les publications de Statistique Canada. Donc, si vous dites, oh, moi, je ne suis pas très habile là, avec les trucs de variables, de tableaux, je veux juste avoir un article qui porte sur mon sujet. Donc, vous pouvez encore là, vous voyez ici, c'est les mêmes filtres, mais là, vous allez aller chercher des analyses, des publications, des documents de recherche diffusés par Statistique Canada, ce qui peut être très intéressant parce que si vous trouvez un article sur votre sujet, ils vont déjà analyser les données pour vous. Donc, ça peut être une recherche intéressante au lieu d'aller chercher dans les données. Géographie, c'est plus d'informations au niveau de la géographie du pays. Recensement, ben, c'est vraiment le portail du recensement. Donc, si vous savez que c'est des données du recensement que vous voulez, n'allez pas sous données ici, allez directement sur le portail du recensement, où vous allez trouver une quantité astronomique d'informations. On va généralement à produits de données et on va fouiller dans les différents tableaux qui sont disponibles. C'est souvent le profil du recensement qui est utilisé. On peut chercher par ville, on peut même chercher par code postal. Donc, vous pouvez,
Si vous voulez voir les caractéristiques de vos voisins, vous pouvez mettre votre code postal, mais vous n'aurez pas les informations par code postal. Le plus petit niveau géographique pour lequel les données de Statistique Canada sont diffusées, c'est ce qu'on appelle l'aire de diffusion. À Montréal, ça pourrait correspondre à un bloc à peu près. Code postal, c'est trop précis. Donc, vous pouvez mettre votre code postal si vous voulez, puis vous allez voir où se situe votre code postal sur la carte et aller voir l'information pour votre aire de diffusion, si vous voulez. Donc, une aire de diffusion à Montréal, là, vous voyez, ça ressemble à ceci. Puis, vous pouvez aller chercher les informations de toutes les variables du recensement pour ce niveau géographique-là. Donc, c'est un outil qui est beaucoup utilisé sur le site de StatCan. Et je vais lâcher le site de StatCan tout de suite parce qu'on pourrait y passer la journée. En gros, vous allez trouver beaucoup d'informations. Non seulement sur le site de Statistique Canada, je vous mets d'autres options, d'autres accès facultatifs pour repérer les données canadiennes, parce que ce n'est pas parce que ce n'est pas sur le site que ça n'existe pas. Vous avez même accès au fichier Excel des données du recensement de 1665, le premier recensement de Jean Talon, jusqu'à 1871 en format, il me semble que c'est en format Excel ou CSV. Vous avez d'autres outils pour aller chercher les données de recensement également. Et pour aller chercher des fichiers de micro-données, comme je vous avais dit, c'est mieux d'aller sur la base de données ODESI. Il faut absolument que votre proxy soit activé. C'est une ressource par abonnement. En fait, il faut que votre proxy soit activé en tout temps, peu importe ce que vous cherchez. Donc, ODESI, on l'utilise pour aller chercher les données agrégées, les fichiers de micro-données de Statistique Canada. Il y a également des données de sondage comme Ipsos Read ou Léger, d'autres boîtes de sondage. Mais généralement, on va utiliser ODESI pour aller chercher les fichiers de micro-données. Donc, par exemple, encore là, vous pouvez chercher par titre, vous pouvez chercher par mot-clé. Donc, ça va aller chercher vraiment jusqu'au niveau de la variable. Donc, si vous dites, moi, je m'intéresse à la consommation de drogue au Canada, je veux savoir c'est quoi l'impact de la légalisation avant, après, bien, vous pourriez chercher, encore là, il faudrait élaborer ça un peu, je pourrais chercher cannabis et donc, ça va aller chercher dans chaque question et chaque réponse de chaque enquête, de chaque cycle, qui a été posé dans les enquêtes de Statistique Canada et autres qui se trouvent dans la base de données ODESI. Donc, c'est des recherches très, très précises. Vous pouvez cliquer sur le titre d'une enquête. Vous pouvez aller voir sa méthodologie, sa documentation. Mais si vous souhaitez simplement télécharger l'enquête, vous cliquez sur « Explorer et télécharger ». Ça va vous ouvrir un onglet secondaire avec la description de chacune des variables que vous pouvez aller consulter d'emblée. Vous pouvez aller voir la question qui a été posée. Tu consommes de l'alcool, c'est-à-dire plus qu'une gorgée. Vous voyez d'emblée la table de fréquence, pondérée, non pondérée. Donc, vous pouvez même faire des tableaux en ligne, si vous voulez. Vous pouvez même faire des corrélations, des régressions. Mais généralement, rendu à cette étape-là, ce que les étudiants, les chercheurs veulent faire, c'est télécharger le fichier et ouvrir ça sur leur poste. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur la petite disquette qui est ici, télécharger, et choisir votre format. SPSS, Stata, SAS, délimité, donc télécharger en TXT pour pouvoir ouvrir dans R ou dans n'importe quel logiciel, finalement. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous faites télécharger, ça va télécharger un dossier zippé sur votre poste, vous le dézippez et vous ouvrez avec votre logiciel et tout le contenu de l'enquête va être disponible avec la documentation en format PDF également. Donc, c'est une très bonne ressource pour les fichiers de micro-données et pour les données agrégées Canada seulement. Il n'y a pas de données autres que canadiennes dans ODESI. Donc, voilà pour le Canada. Je vous ai mis un petit récapitulatif du contenu d'ODESI. Pour le Québec maintenant, bien souvent la question à 100 $, c'est si je cherche l'information pour le Québec, bien est-ce que je vais à Statistique Canada puis je limite aux provinces, donc au Québec, ou je vais à l'Institut de la Statistique du Québec? Dans le fond, il faut souvent aller voir les deux. Dans le fond, l'Institut de la Statistique du Québec, qui est un peu le pendant provincial québécois de
Statistique Canada, ben, en fait, ils font trois choses. Ils font leurs propres enquêtes. Donc, à l'ISQ, il y a des analystes, des démographes, des économistes qui font des enquêtes auprès de la population du Québec et qui vont diffuser des publications. L'ISQ, c'est très bon pour les publications. Ils ont de très bonnes publications au niveau de l'économie, des entreprises, de la santé, tous les domaines. Ils ont vraiment des publications intéressantes, l'ISQ. Ils vont diffuser des tableaux de données également, et donc à partir de leurs propres enquêtes. Ce qu'ils vont faire aussi, c'est qu'ils vont diffuser certaines informations qui sont tirées des ministères. Donc, des données sur l'immigration, des données sur le ministère des Finances, etc. Mais il ne faut pas penser que l'ISQ, c'est comme un hub d'informations pour les données gouvernementales au Québec. Ce n'est pas le cas. L'ISQ diffuse les données que les ministères veulent bien leur transmettre et c'est loin d'être toute l'information. Donc, c'est pour ça que si vous avez besoin de données qui viennent de ministères, il faut aussi aller consulter des sites web gouvernementaux et pas seulement se fier à ce qui se trouve sur le site de l'ISQ. Ce que l'ISQ va faire, troisièmement, c'est prendre les données de Statistique Canada et les rediffuser pour la géographie du Québec, les MRC, par exemple. Donc, c'est une ressource intéressante. Il y a beaucoup de trucs sur la géographie. Donc, comme je viens de le dire, les répertoires de division territoriale, les changements qu'il y a eu au Québec, les fusions municipales, etc. Donc, c'est quand même une ressource très intéressante. Puis, le fonctionnement du site de l'ISQ, c'est pas mal la même chose que celui de Statistique Canada. Vous avez de l'information qui est regroupée par thématique, par thème, par territoire. Il y a des vitrines thématiques aussi. Fait que vous voyez, c'est un peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure, économie, éducation, santé, famille et ménage. Puis vous allez trouver là, donc autant des PDF, des publications, que des tableaux de données, des articles analytiques, etc. Donc, c'est quand même une bonne ressource à consulter aussi pour les données qui portent sur la population, l'économie, la santé au Québec. Il n'y a pas l'ISQ, la grosse différence, c'est qu'il n'y a pas de fichier de micro-données publiques de disponible à l'ISQ. C'est seulement des données protégées et on accède aux données d'enquête protégées de l'ISQ au même endroit que Statistique Canada, c'est-à-dire au CIQSS. La procédure de demande donc, est distincte, donc il faut passer par le site Service aux chercheurs et faire des demandes d'accès aux données protégées de l'ISQ. Donc, voilà pour l'ISQ, les données spécifiques pour le Québec. Et comme je vous ai dit, si vous ne trouvez pas à StatCan, si vous ne trouvez pas à l'ISQ, ben là, c'est Système D. Il faut se demander quelle institution aurait bien pu diffuser l'information dont j'ai besoin. Vous cherchez de l'information. Mon Dieu, ça peut tellement... Sur les commotions cérébrales chez les enfants au Québec, vous cherchez de l'information sur peu importe qui aurait pu diffuser ça? Ça pourrait être des centres de recherche, ça pourrait être des ministères, ça pourrait être dans des publications gouvernementales. Donc, il faut, c'est quand même un parcours du combattant quand on cherche des données très, très précises. Et puis, ultimement, il ne faut pas négliger, et même avant tout, je dirais, une revue de littérature générale. Parce que si vous dites, moi, je m'intéresse au nombre de commotions cérébrales au Québec, ben, la première chose à se demander, c'est quoi les données qui sont utilisées par les chercheurs qui travaillent, qui publient des articles sur ce sujet-là. Fait que dans le fond, la première chose à faire, c'est souvent de faire une petite revue de littérature. Ça peut être dans Érudit, ça peut être dans des bases de données multidisciplinaires que vous connaissez peut-être. Puis aller voir les publications qui sont faites sur la santé et sécurité au Québec, les chercheurs qui s'intéressent aux commotions cérébrales chez les enfants, nécessairement, ils vont aller chercher de l'information quantitative, puis ça va vous donner une bonne idée, ça va vous aiguiller à savoir c'est quoi les données qui existent sur le sujet. Ou des fois, trouver une thèse ou un mémoire sur son sujet. Ça, souvent, c'est vraiment une ressource super intéressante parce que d'emblée, il y a une revue de littérature qui est faite puis qui va dire il y a telle donnée qui existe sur le sujet, j'ai utilisé ces données-ci à cause que... Donc déjà, ça vous donne... Il y a une partie du travail qui est fait pour vous. Fait, ne négligez pas une revue de littérature. Souvent, les étudiants qui cherchent du quantitatif cherchent
des chiffres, cherche des fichiers Excel, mais dans le fond, trouver un article sur votre sujet, souvent, ça vous sauve bien, bien des heures de recherche sur Google. Donc, ne négligez pas cet aspect-là. Moi, c'est souvent ça que je vais faire quand un étudiant vient me voir puis cherche des données sur un sujet que je ne connais absolument pas. Ben, je vais aller voir les ressources les plus évidentes. Puis si je ne trouve pas, je vais dire, OK, je vais aller chercher une publication qui porte sur ce sujet-là. Puis je vais pouvoir voir c'est quoi les données qui existent. Donc, ne négligez pas la documentation, même si vous cherchez du quantitatif. Finalement, les données internationales, on pourrait passer encore là la journée là-dessus. Je vous montre les principaux organismes internationaux. Donc là, on tombe plutôt du côté des indicateurs, des indices de développement, par exemple, ou des indices sur l'inégalité. Il y a la Banque mondiale, évidemment. Il y a l'ONU et l'OCDE. En sciences sociales, c'est les gros, les sources les plus utilisées, je dirais. Et chaque institution a généralement sa bibliothèque de publication. Donc, par exemple, vous voyez ici OCDE iLibrary et a sa base de données pour les indicateurs, pour le quantitatif. Donc, souvent, la même chose pour la Banque mondiale, la même chose pour l'ONU. Donc, tous les organismes, si vous êtes, par exemple, en relations industrielles, en économie, peu importe, l'OMC, l'Organisation internationale du travail, va avoir une base de données de publication et une base de données avec des indices, des indicateurs, vraiment du data, là, t'sais, que vous pouvez aller chercher dans les variables. Il y a des portails qui sont plus, je dirais, user-friendly que d'autres, mais le principe est souvent la même chose, c'est-à-dire que vous allez chercher les indicateurs qui vous intéressent, vous allez chercher les pays qui vous intéressent et les années pour lesquelles vous voulez de l'information. L'Internet semble être très, très lent. Par exemple, vous voyez du côté de l'OCDE, mon Dieu, ça a l'air vraiment difficile. Mais oui, puis en plus, ta vignette vidéo est devenue comme floue en même temps. Au vrai? Mon Dieu, c'est... Mon Dieu. Pourtant, je ne fais pas des trucs très, très intensifs. Donc, vous voyez ici, par exemple, des données sur les importations. Donc là, on tombe vraiment dans le monde des indicateurs. C'est ce qui peut être un peu compliqué. Des fois, les étudiants ne font que, par exemple, chercher quelque chose de très banal comme un PIB. Puis là, vous allez dans l'OCDE, puis là, vous voyez qu'il y a 15 PIB différents. Puis là, souvent, ils vont me demander, oh, c'est lequel qui est le bon? Ben, il n'y en a pas de mauvais. C'est juste qu'il faut aller voir encore là, toujours dans les petits i. Là, ça va être beaucoup lui demander, là, c'est quoi exactement cet indicateur-là? Il a été calculé comment? Est-ce que je peux le comparer d'une année à l'autre? Est-ce que je peux l'utiliser pour comparer des pays ensemble? Donc là, on n'est plus au niveau des données, des enquêtes qui portent sur les individus, on est plus au niveau des pays. Ce qui entraîne ces défis, des défis propres à l'utilisation de ce genre d'indicateur-là. Donc, vous voyez, ça ressemble à ceci. Vous pouvez donc personnaliser, sélectionner des pays particuliers, des années, donc temps et fréquence. Puis, vous pouvez télécharger en format Excel, généralement. Vous pouvez modifier un peu. Là, j'ose à peine cliquer sur quelque chose. Là, j'ai peur que ça explose. Donc, il faut quand même se familiariser avec les interfaces. Mais en gros, les grosses bases de données internationales fonctionnent souvent de la même façon, puis vous allez souvent trouver les mêmes informations. Dans le fond, les données de l'OCDE sont généralement, vous allez souvent les trouver dans les données de l'ONU, dans les données de la Banque mondiale, parce que dans le fond, ces organismes-là ne font que compiler des informations qui leur sont transmises ou pas par les différents pays. Eux procèdent à une espèce de normalisation pour faire en sorte que justement les indicateurs soient comparables d'un pays à l'autre. Donc, par exemple, à Statistique Canada, il y a un analyste qui est responsable de transmettre à l'OCDE les données du Canada. Et c'est la même chose pour chaque pays. C'est pour ça que d'un pays à l'autre, les informations vont être très variables. Si vous cherchez des données sur le développement économique de l'Afghanistan, peut-être que vous allez avoir beaucoup de cellules vides dans votre tableau, là. Mais ça, ce n'est pas la faute de l'organisme, c'est parce que, bon, ils ne peuvent pas inventer les chiffres, là. Ça reste des données gouvernementales, ultimement, ce qu'on appelle la comptabilité nationale. Et donc,
Voilà, très brièvement pour les grands organismes. Finalement, et encore là, on pourrait passer la journée là-dessus, il y a toutes sortes de bases de données, de dépôts de données de recherche. Ils peuvent être institutionnels, ils peuvent être gouvernementaux. Il y a des grandes bases de données d'enquêtes internationales. Donc, des grandes enquêtes internationales qui sont faites souvent avec grâce à des partenariats de différentes institutions. Vous avez par exemple le World Values Survey, le World Health Survey, les différents baromètres qui permettent de comparer les valeurs, les caractéristiques de la population d'un pays ou d'une région à l'autre. Et les fichiers de micro-données sont généralement disponibles. La Banque mondiale aussi a des fichiers de micro-données généralement. Au niveau international, la grande base de données pour aller chercher des fichiers de micro-données, donc des données d'enquête, des données brutes qu'on peut télécharger en format SPSS, SAS, Tata et compagnie, c'est l'ICPSR. Ça, c'est une base de données par abonnement. Donc, encore là, bon, vraiment, là, c'est vraiment la totale, le PowerPoint qui plante. À l'ICPSR, en fait, ça vient de l'Université du Michigan. Et donc, c'est notre ressource fondamentale, en fait, c'est pas mal la seule, pour aller chercher des fichiers de micro-données au niveau international. Vous allez trouver des données aussi canadiennes, beaucoup de données américaines, mais vous allez trouver, je ne sais pas moi, vous voulez vous intéresser à l'avortement, vous voulez des fichiers, soit des données de sondage pour voir c'est quoi l'opinion de la population dans différents pays sur l'avortement, ou ça peut être des données administratives, vraiment sur les comportements par rapport à l'avortement. Ben là j'ai fait encore là une recherche un peu bête, mais là, vous voyez, ça peut venir de n'importe où. Népal Medical Abortion, ça peut être des données, par exemple, News Abortion Poll, donc c'est vraiment des données de sondage américains, il y en a vraiment beaucoup, CBS, New York Times, donc c'est quoi l'opinion de la population américaine sur l'appartement, sur les fusils, sur peu importe le sujet, vous allez avoir des données qui viennent de partout. Quand vous voyez replication data, ça c'est parce que les chercheurs, donc il y a autant des données gouvernementales que des données de recherche, donc les chercheurs peuvent déposer leurs données d'enquête, de recherche, et donc quand vous voyez replication data, c'est que le chercheur a publié un article à un endroit ou un périodique quelconque et a déposé les données qui ont été utilisées pour la rédaction de cet article-là. Et donc, replication, c'est-à-dire que ça permet à un usager, ultimement, de reproduire les résultats de la recherche à partir des données que vous pouvez télécharger ici. Et ça, c'est une exigence qui est de plus en plus fréquente. Et en fait, justement, c'est un bon exemple, l'American Economic Association, en fait, les chercheurs en sciences économiques qui veulent, ou peu importe, qui veulent publier dans une publication gérée par l'American Economic Association, sont obligés de rendre leurs données disponibles. Sinon, leur article ne sera pas publié. Et donc, vous voyez un exemple ici. Vous pouvez donc télécharger les données de cette enquête-là, par exemple, si ça vous intéressait. Vous voyez le format ici, c'est DTA avec les fichiers de syntaxe, donc c'est des fichiers Stata, avec un fichier README, donc la documentation qui vient avec l'enquête. Et ça, c'est un domaine vraiment qui est appelé à se développer, toutes les replication data, donc les données qui sont à la base des différentes publications que vous pouvez trouver en ligne. Dans certains domaines, c'est beaucoup plus développé que dans d'autres. En sciences sociales, je vous avoue qu'on a un peu de retard en matière de réplication, mais dans les données, dans les bases de données, les dépôts de données de recherche, vous allez en trouver de plus en plus. Je voulais vous montrer un dernier truc. Ah oui, mon PowerPoint avait planté, c'est vrai. Je vais m'en aller à la fin, puisque nous y sommes. La méga base de données, si ça vous intéresse, il n'y en a pas de facile. Ça s'appelle Re3 Data. Si vous voulez chercher qu'est-ce qui existe comme dépôt de données de recherche, dépôt de données ouvertes, gouvernementales, académiques, c'est vraiment Re3 Data. Vous pouvez chercher, il y en a dans tous les domaines, sciences, sciences pures, sciences sociales, sciences humaines. C'est un méga index
de bases de données internationales. Et donc, voilà ce que je vous proposais. Donc, beaucoup de défis pour utiliser des données secondaires, autant au niveau de l'accessibilité que de l'utilisabilité, que des compétences aussi. Ça nécessite quand même beaucoup de compétences très techniques quand on veut faire l'analyse quantitative en sciences sociales ou autres. Donc, beaucoup de recherches à faire, beaucoup d'informations à acquérir.